C'est une après-midi ensoleillée à Jinja en Ouganda et Andrew Mamawi prépare ses joueurs à passer à la vitesse supérieure. Mamawi a joué pour l'équipe de cross ougandaise aux championnats du monde de 2014 et 2018. L'Ouganda est le premier pays africain à présenter une équipe à l'avant-dernier événement de ce sport. Cela m'a montré ce que le sport peut faire. Après avoir joué quelque temps à Kampala, je suis revenu dans la communauté qui m'a élevé. Et du coup, ce que je n'ai pas eu pendant mon enfance, j'ai voulu le redonner à cette communauté. Le sport a été introduit ici en 2012 par un représentant américain de la Fédération internationale de cross. C'est un sport très exigeant, rapide et qui demande beaucoup d'habileté pour tenir tout cet équipement. Il y a un casque, des gants, un bâton, une balle très lourde. Il faut beaucoup d'habileté pour le manipuler. Nous nous attendons donc à ce que les enfants le prennent de manière professionnelle. Ils pourraient facilement être payés pour cela. Les Cranes, l'équipe nationale ougandaise, espère pouvoir participer aux Jeux Olympiques un jour. Ils auront peut-être juste assez de temps pour lancer cette offensive, étant donné que la fédération voit 2028 comme l'année où la crosse reviendra aux Jeux d'été.